C'est une petite révolution dans la presse britannique. Le tabloïd The Sun ne publiera plus de photos de femmes les seins nus en page 3 du journal, mettant ainsi fin à une tradition vieille de plusieurs décennies. Depuis lundi, des soutiens-gorge recouvrent les poitrines des mannequins. Une véritable victoire pour le mouvement féministe No More Page 3. Page après page, on voit dans le journal des hommes entièrement vêtus gérer le pays, faire du sport, explique cette militante. Tout tourne autour de ce qu'ils accomplissent, alors que pour les femmes, il n'est question que de leur physique. Pour ce mannequin britannique, la page 3 du Sun était au contraire une manière pour les femmes de célébrer leur beauté plastique. Les femmes font ce qu'elles veulent tant que ça ne blesse personne ou que ce n'est pas contraire à la loi. C'est le message qu'envoie la page 3 du Sun. Si on veut célébrer sa sexualité, on peut le faire. Si on ne veut pas, on n'est pas obligé. Créé dans les années 60, The Sun a publié depuis 40 ans et de manière presque ininterrompue des photos de seins nus en page 3 du journal. Une pratique qui a permis à de nombreuses femmes de se faire un nom à l'image de Samantha Fox.